Il n'y en a pas 10%, et pourtant ils existent. Ils se sentent étrangers. Allez savoir pourquoi. Faut croire que dans ce monde, on ne les comprend pas. Les complotistes. Ils ont tout démasqué, des complots par milliers, alertés sur les crimes de ceux qui nous oppriment. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas 10%, et pourtant ils existent. Ils ont tout exposé, du plan génocidaire, tout en risquant leur vie, car on veut les faire taire, les complotistes. Ils sont toujours moqués et ridiculisés, jusqu'à ce que leur point de vue soit enfin reconnu. Mais de remerciements, jamais ils n'en auront, car indéniablement, on les prend pour des cons. Il n'y en a pas 10%, et pourtant ils existent. Ils cherchent la vérité dans ce marais putride où tous les journaleux les traitent de stupides, les complotistes. Ils ont un clavier noir pour écrire leur mémoire et les réseaux sociaux pour révéler les mots. Car les merdias, les snobs, la censure est partout pour saboter leur job, mais ils sont là, debout. Il n'y en a pas 10% et pourtant ils existent. Ils travaillent sans relâche, malgré l'adversité, pour un meilleur avenir à cette humanité, les complotistes.